C'est sous une maison ordinaire, dans un quartier ordinaire, que quatre enfants ont trouvé les secrets de l'art martial le plus fou de tous les temps. Ces jeunes ninjas utilisent désormais leur pouvoir pour combattre les forces du mal. Et ça, c'est pas de la tarte, aux fruits. Enfin bref, voici Fruit Ninja Frenzy Force. La multiplication des fruits. Soi-disant ninja, regardez un peu ma bombe myrtille tourbillonnante! Ah! Attendez, il va falloir faire mieux que ça, les gars! Qu'est-ce que vous dites de mes puissantes grenades explosives? Ah! Non, mais c'est ça vos techniques ninja? Préparez-vous plutôt à ma super, méga, grosse attaque de la... Mode coco. Ça a pas l'air d'être un truc de feu. Bon, d'accord. Fureur de fruits du dragon! Ah! Ok, on a tous progressé. Beau travail, les fruits ninja. Je crois qu'on est enfin prêts. Prêt à quoi? Tu peux nous le dire? Bon, oui, c'est vrai. On s'entraîne depuis des mois maintenant et on n'a toujours pas vu l'ombre d'un méchant. À moins que... Hé, je suis un gentil quand je veux. Oh, mais les gars, être un fruit ninja, c'est pas que se battre contre les méchants. C'est aussi faire régner la justice. Ouais, en se battant contre les méchants. Est-ce que vous avez lu tous ces manuscrits? Assez rapidement. On est devenus les fruits ninja. Et on a fait le serment de faire renaître les secrets du jujitsu et de les protéger de toute personne qui voudrait se servir des pouvoirs des fruits à des fins maléfiques. Oui, cela dit, à part nous, personne ne connaît les pouvoirs des fruits. Il y a tout un quartier, non, tout un univers qui a besoin de nous. Allez, les amis, il est temps de montrer à tout le monde ce qu'être un fruit ninja veut dire exactement. J'hallucine. Il se passe jamais rien dans ce quartier, c'est complètement mort. Vous savez quoi? Je commence à me demander si les services de ninja spécialisés dans les fruits sont vraiment si recherchés que ça. Il faut être patient, c'est tout. Trouver de nouvelles combines, s'imprégner des lieux, réunir des indices. L'aventure, ça sort pas des tonneaux comme par magie. Les fruits, ils sont vivants. J'aime mieux ça. C'est qu'un drôle de vieux monsieur. Alors, ce sont des ennemis que vous cherchez, c'est ça? Vous voulez du danger, de la lutte et des méchants à combattre? Ah oui! Oh que oui! Mais vous, est-ce que vous êtes un méchant? Non, peut-être que oui. Mais peut-être que je suis bien plus que pas du tout ça. Donc, est-ce que vous en êtes un ou non? Faites attention avec ce que vous souhaitez, parce que le danger peut se trouver juste au coin de la rue. Je dois m'en aller. Pouka! Juste au coin de la rue. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez là. On va faire comme si de rien n'était alors qu'il y a un vieux monsieur dans ce tonneau? Oui! C'est étrange, parce que tout ce qu'il y a au coin de la rue dans ce quartier, ce sont des maisons, des arbres et ce terrifiant portail spatio-temporel! C'était donc vrai. Le savoir des fruits ninja a survécu dans le temps. Oh maître, je vous ai déçu par le passé. Mais cette fois, je vous jure que je ferai tout ce qu'il faut pour éliminer les fruits ninja. Ouais, toi là, à qui est-ce que tu parles? Mes amis, les ninjas, je vous ai enfin trouvés. Désolé, mais tu es qui exactement? Oh, moi? Eh bien, je m'appelle Rin... Ne pas servir Rinjin. Quoi? Comment est-ce que t'as dit, là? Pete Pastèque. Oh non, j'ai pris une noix de coco. Oh non, Scott Orange. Oh non, tous ces noms sont débiles. Durian. Oui, c'est mon nom. Durian Gray. Bon, Durian, on est complètement fous. Tu voyages dans le temps et tu arrives du passé, là. Du passé? Non. Ça, c'était juste un petit effet visuel. Je suis ici pour vous mettre en garde, car vos beaux fruits sont pourris, en fait. Mais venez avec moi.
Je suis moi-même gérant d'un petit marché et mes produits sont bien supérieurs à cela. Grâce à eux, vous améliorerez vos aptitudes de ninja comme jamais. Intéressant. Concertation. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? On y va. On y va. On y va. De toute façon, on a bien écouté les conseils du vieux monsieur dans le tonneau. Au pire, qu'est-ce que ce durian pourrait nous faire? Validé. En tout cas, il rigolait pas. C'est vrai qu'il a un stock d'enfer. Ouais, peut-être, mais je trouve que cet endroit a quelque chose d'étrange. Hé, hey, y a quoi là-dedans? On s'en fiche, t'inquiète, c'est rien. Et donc, ils sont où tes super fruits spéciaux? Oh, vous allez les voir, oui. De très très près, ça c'est sûr. Oui, mais d'abord, mettez-vous là. Ah bon? Pourquoi? J'ai dit mettez-vous là. Ok, d'accord. Du calme. Ah! Vous êtes tombé dans mon piège. Oh là là, quelle surprise! Un piège? Génial! On va enfin avoir un peu d'action! C'est pas trop tôt. Je vais enfin pouvoir en finir une bonne fois pour toutes avec ces fichus fruits ninja! Et les secrets du jujitsu seront tout à moi! Oui, bon, d'accord, ils seront à vous, maître. Seb, regarde! Hé, hey, les ninjas, il est l'heure de mettre le jus! Allez, que la fête commence! C'est vrai que sur ce point, Durian aurait pu faire mieux. Arrogant! Ils n'arrêtent pas de se régénérer! Il faut qu'on arrive à les éloigner des fruits! Mordu de pastèque, venez par ici. Allez. Ralph, attention le poteau. Ok, voyons un peu comment vos bras repoussent sans fruit dans les parages. Ninja peuvent battre des monstres de fruits. La belle affaire. Voilà un truc que vous n'arriverez pas à trancher, je parie. Ah, moi, je parie qu'on y arrive. Peng, non. Bon, ça suffit maintenant. Il est grand temps de presser le citron de cet imposteur. Nia, balance un fruit du dragon, vite. Il n'y en a plus aucun. Tu les as déjà tous utilisés. Ralph, qu'est-ce qui te reste? J'ai plus rien non plus. On va voir si vous êtes toujours aussi fort sans avoir les précieux pouvoirs des fruits. Ça sert à rien. Sans les fruits, on n'est que de simples ninjas. Oh, tout le monde sait que les simples ninjas ne savent pas se battre. Et dire que c'est pour ça que j'ai voyagé dans le futur. Je savais bien que c'était pas un petit effet visuel. Hé, hey, c'est quoi ça? Nos fruits, ils sont venus jusqu'à nous. J'arrête pas de vous le dire, les fruits sont vivants. C'est impossible. Vous restez là. J'ai une bien meilleure idée. C'est un miracle de fruits. Ninja, action! Thank you.
attaque ninja de la banane molle. Tu viens de goûter à notre bon jus de justice. Et maintenant, il est temps que tu partes pour toujours. Oh, merci pour votre clémence, les fruits ninja. D'accord. Pardon et désolé pour tout. Dans mon dos, j'avais les doigts croisés. Je suis pas du tout désolé. Vous ne me battrez jamais, fruité du bocal. J'ai combattu des fruits ninja 1000 ans avant que vous soyez nés. Vous n'avez pas encore vu de quoi je suis capable. Ok, cette fois, je m'en vais vraiment. Ouais, on a réussi. Youpi, on l'a bien ninja celui-là. Tout ça, c'est grâce à l'entraînement, à la patience et à une bonne dose de chance. Ouais, cela dit, j'arrive toujours pas à comprendre comment les fruits ont roulé jusqu'ici. C'est tellement invraisemblable. L'info fruit. Les noix de coco ne sont pas vraiment des noix. Ce sont les graines les plus grosses du monde.